Alors, dernière journée pour nous à Bangkok. Et c'est pas n'importe quel jour aujourd'hui pour les Thaïlandais, c'est Songkran. Donc, c'est la nouvelle année ici en Thaïlande. Donc, vous allez voir, c'est vraiment particulier, ça dure 3 jours. Dans les rues, c'est un gros n'importe quoi, c'est des batailles d'eau à volonté, même avec les touristes, tout le monde est armé d'un pistolet à eau et tout. C'est vraiment génial cette époque-ci de l'année. Donc, je vais pas du tout prendre mon réflexe avec moi, ma caméra. Aujourd'hui, ça va être que de la GoPro. Et puis à partir de demain, on va sur les îles, donc on enchaîne pour Koh Tao, Koh Phangan et Koh Samui. Et puis donc, je vous l'avais dit aussi dans les premiers vlogs, je vais vous montrer un peu comment est notre hôtel. Vraiment à deux, c'était vraiment génial. Il reste vraiment accessible niveau prix. Pas de famille, pas de bruit. Je vais vous montrer la piscine aussi qu'il y avait là-haut, qu'on a pu apercevoir aussi sur les images du premier jour. Donc voilà, donc chouette programme en perspective. On vient juste de sortir du Delight Bar and Restaurant et il y avait une pool party de malade. Là on prend un autre taxi, la journée continue direction Koh Hassan Road. Songkran ne fait que commencer. Alors c'est bon, on est à Koh Hassan Road et c'est un bordel monumental. Il y a plein de Thaïs, il y a plein de touristes, vraiment tout le monde s'asperge d'eau, c'est vraiment ouf. Songkran fini pour nous ce soir. J'ai tout filmé à la GoPro. J'espère que les images ça ira. J'espère que le son ça ira aussi. On est de retour à notre hôtel, donc Kazanitra. Je vous ai mis tous les liens en description. Songkran c'est vraiment génial. Entre touristes ou entre Thaïlandais, on a rencontré beaucoup de Thaïs, des Chinois ce soir. C'était vraiment un chouette moment. On s'est super bien amusé. Demain on se lève très tôt. On se lève à 4h45 du mat. Direction Koh Tao. On prend un bus. Donc voilà, vous aurez les images demain. Voilà, ciao.